Bhagavate -like Vasudevaya. Um. Om namo Bhagavate Vasudevaaya Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaaya namo Bhagavate VASUDEVAYA Aujourd'hui nous allons lire un verset du Shri Madh Bhagavatam, premier chant, chapitre 17, verset 36. KALIRU <coughs> VACCHA <coughs> Sarvabhoma tavagyaya. Sarvabhoma tavagyaya. Lakshaye tatratatrapi. sanam. Traduction. Kali dit Ô empereur de la terre, je suivrai ton commandement. Mais puisque ce pays est sous ta protection, où que j'aille, je te verrai armé de ton arc. Et de tes flèches. Commentaire. Ô roi de la terre entière, je te vois, armé de ton arc et de tes flèches. Or, puisque tous les êtres mobiles et immobiles sont tes citoyens et que tu contrôles le monde entier, je n'ai aucun lieu où vivre. Par conséquent, tue-moi de ta main dès à présent, moi qui me suis abandonné à tes pieds. मानती um, मीरंदानाजराशरा चक्षुन्मता जैन तस्म श्रीकुरा वे नम श्रीचैतनया मनोष स्थापीता जैन भूतले स्वयं रूप किस्वदातिक हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो ज्ञात पते गोपेश गोपिका कांता रकांता नमोस्तुत सप्तकांशन गौरंगी रेवृंदवनीश्वरी वृषा बनुदेवी प्रणमी हरिप्रिय वंशकल्पतरुप्यष्टा कृपासिन्धुव्यहीवचाः पतीतनं पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जया श्रीकृष्णचैतन्या प्रभुनित्यन हुन्दा श्रियद्वैता गिरधारा शिवाः सदिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नम विष्णु विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठा भूतरे श्री माते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने Namaste, satisfate, deve, gauravani, prachadine, nirvashashashunavadi, pashtatiade, chatadine. Donc, c'est très intéressant, cette, ce verset, cet honneur est porté. Donc, même si Kali elle était présent, il voulait quand même prendre refuge parce qu'il savait que si euh, le roi Parikshet, qui est un pur dévot du Seigneur, était présent, eh bien, Kali ne pouvait pas vivre, ne pouvait pas être présent. Et c'est pourquoi il dit, tue-moi maintenant. <laughs> Après ça, dans le prochain verset, il lui demande, où est-ce que je peux aller <laughs> Donc, il prend refuge du roi Parikshet et il lui demande, où est-ce qu'il peut bien aller pour euh, faire son service. Parce qu'on comprend que... L'âge de Kali, c'est quand même un service à Krishna. Non, c'est l'énergie matérielle, c'est Durga Devi qui rend un service à Krishna. C'est pourquoi chez la Prabhupada, il expliquait, il définissait Maya comme miséricorde. C'est intéressant. Pourquoi Maya serait la miséricorde? Parce que elle nous pousse vers Krishna. <laughs> à travers toutes les difficultés qu'elle nous donne, elle nous pousse vers Krishna. Donc, c'est très intéressant parce que là où il y a Krishna et ses purs dévots, alors il y a la transcendance, non? Krishna surya sama, maya andakara, non? C'est un beau verset qui explique que là où Krishna est présent, Krishna est comme le soleil. Lorsque le soleil, le, lorsque le soleil est présent, alors l'obscurité disparaît. C'est pourquoi aussi dans l'ère de Kali, on peut voir que, surtout dans l'ère de Kali dans lequel nous sommes en ce moment, c'est pas un air ordinaire, vraiment pas du tout. Parce qu'on sait que Krishna, il vient une fois à tous les jours de Brahma. Et ça, ça fait beaucoup d'années. Un jour de Brahma, c'est mille, euh, mille fois Divya Yoga. Donc dans chaque Divya Yoga, il y a quatre yogas. Donc c'est mille fois, ça fait quatre mille yogas. Donc une fois tous les quatre mille yogas, Krishna, il vient personnellement. Donc c'est extrêmement rare, et c'est la même chose aussi avec Chaitanya Mahaprabhu. Une fois, tous les 4000 yogas, c'est lui qui descend personnellement. Mais lorsque ce n'est pas Krishna qui descend, qui descend Parce qu'à tous les à tous les yoga, il y a un dvapara yoga, il y a un kali yoga. Mais qui descend un dvapara yoga lorsque ce n'est pas Krishna Non C'est expliqué qu'il y a Vrindavan, mais c'est Vishnu qui vient avec son épouse, et c'est pas la même humeur. Ce pas l'humeur de Vrindavan, C'est n'est pas Radha Krishna dans l'humeur de Vrindavan. Il y a comme Vrindavan, mais c'est pas la même humeur. C'est Vishnu avec son épouse, donc c'est une humeur de Ce n'est pas du tout la même humeur. Et c'est la même chose aussi lorsque Gauranarayan, il descend. C'est Vishnu, en fait, mais qui prend cette humeur de partager le Saint Nom pour libérer les êtres. Mais ce n'est pas la même chose non plus. Parce qu'il ne, do, ne donne pas les mêmes rassas. C'est ce qui est expliqué dans Chaitanya Charitamrita homme à Prabhu, non, Krishna, il y a 5000 ans, après avoir accompli ses divertissements, parce que comme il était dans son intimité avec sa famille, avec ses associés éternels, il n'avait pas partagé à tout l'univers entier les gloires de ses divertissements et aussi l'atteinte des, des rasas, des relations possibles à Vrindavan. Et c'est pourquoi il était dans ce sentiment où il se disait hmm, il ne se sentait pas satisfait parce qu'il sentait qu'il n'avait pas pu partager cette intimité aux âmes de conditionnées de ce monde pour qu'ils puissent être attirés et pour qu'ils puissent avoir justement cette place dans les divertissements de Krishna Vrindavan. Et c'est pourquoi il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour donner ses autres rasas. Parce qu'on sait que Vishnu donne le Dasya Rasa, mais il, donne, il ne donne pas les autres rasas de Vrindavan. Donc c'est seulement lorsque Chaitanya Mahaprabhu vient qu'il donne accès à ces rasas de Vrindavan. Non, Madhuryaras, la conjugalité, Vatsalyaras, la parentalité, Sakya, la fraternité avec Krishna et Dasyaras, la servitude. Mais il y a aussi le Chantaras, mais on sait que c'est pas un Chantaras ordinaire parce que même si les arbres, Avrindavan ou les pierres, ils sont immobiles, leur cœur, lui, il n'est pas immobile. <laughs> Et leur sentiment pour Krishna, il n'est pas immobile non plus, il n'est pas dans la neutralité. Parce qu'à Vrindavan, il y a une intimité spéciale qui fait que tous les résidents de Vrindavan, et ça c'est expliqué par nos acharyas, lorsque Krishna est là dans la forêt de Vrindavan, c'est la forêt entière qui accueille Krishna pour l'accueillir, pour, pour qu'il puisse justement être dans le souvenir de sa bien-aimée. Donc c'est très spécial. Même les arbres, c'est expliqué que même les arbres peuvent danser. C'est pas qu'ils vont changer de forêt, ils ont leur lieu attitré, mais les arbres, ils le... Ils baissent leurs euh, leurs euh, branches pour donner leurs fruits à Krishna. C'est expliqué que lorsque Krishna est dans la forêt, les euh, ils font leur, que leurs branches deviennent lourdes pour qu'ils puissent donner leurs fruits à Krishna. <laughs> Donc euh, même le chantara c'est quelque chose qui est tellement tellement spécial. à Vrindavan. non. Donc même les vaches, on sait que les vaches elles sont dans un sentiment maternel envers Krishna. Elles ont un amour maternel pour lui. Et lorsque Krishna vient pour prendre le lait, parce qu'on sait que avant de traire les vaches, Krishna, il prend le pi et il, il, il boit lui-même. Et ensuite, après ça, les veaux peuvent boire. Non. <laughs> Donc, quand Krishna, il prend ce lait des vaches, naturellement, c'est la, la, la vache, l'amour qu'elle lui porte, c'est un amour maternel. Hein. C'est comme son enfant, non En même titre. On pourrait dire encore plus que son vent, en réalité. Lorsque Krishna, il a pris la forme de tous ses veaux et de tous les pâtres à Vrindavan. Bien, ça explique. Qu'est-ce qui fait en sorte que Balaram il a, il a compris que c'était pas le, des pâtres et des veaux ordinaires, c'est parce qu'il a vu que il a senti que les parents, non, les vaches, les bœufs et les parents, les pâtres, et les, les aînés et les gopies aînés, elles avaient, ils avaient tellement plus d'amour pour leur enfant. Mais se comment se fait-il qu'ils qu ont autant d'amour pour leur enfant, comme au même titre que Krishna? <laughs> Et c'est là que Balaram s'est dit, parce que même Balaram lui aussi, hein, pendant un an, il avait été euh, influencé par la Yoga Maya. Et donc après ça, là, hmm, il s'est posé une sérieuse question. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? <laughs> Et c'est là qu'il a compris, ben oui, c'est parce qu'ils aimaient autant leur, leurs enfants qu'ils qu aimaient Krishna. Non? Donc c'est donc pourquoi. Krishna, il est venu justement, puis aussi Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour nous donner accès à Vrindavan. Et c'est pourquoi c'est tellement un air qui est spécial. C'est la raison pour laquelle les demi-dieux veulent prendre naissance dans le Kali yoga donc j'avais envie de parler de ça parce que ça fait plusieurs versets dans ce chapitre qu'on parle des difficultés dans le Kali yoga Mais en même temps, il y, a une, il, y a une, il y a une grande bénédiction. Et je méditais là-dessus ce matin. Donc, Krishna est venu dans le Dvapara Yoga, ensuite Chaitanya Mahaprabhu, mais qui vient après ça? Toutes leurs associés, plusieurs de leurs associés sont venus aussi. Parce qu'on sait que quand Krishna vient, toute la famille <laughs> toute la famille vient aussi. Non? Et c'était la même chose avec Chaitanya, ses associés, les, parce que Chaitanya c'est Krishna dans le sentiment de Radharani. Donc naturellement, comme il venait pour vivre ce sentiment de Radharani, ben ses associés à l'ont aussi accompagné dans ce divertissement. Et c'est pourquoi Rupa, Gos, Rupa Goswami qui est Rupa Manjari, qui est une associée très intime de Radharani, elle ne quitte jamais Radharani, donc elle est toujours présente. Donc, naturellement, c'est pourquoi aussi Ropagosomi est présent, puis il a une place tellement, euh, on pourrait dire, importante dans le mouvement de, de Sankirtan, parce qu'on s'explique que nous sommes des Rupa non? Donc, tous ces associés de, de, de Chittana étaient présents pour l'accompagner. Mais c'est pourquoi aussi, par la suite, d'autres associés sont venus. Et c'est pourquoi pour nous, en ce moment, aujourd'hui, c'est tellement une ère euh, spéciale pour nous. Parce qu'en plus de Krishna et ses associés éternels, il y en a d'autres qui viennent par la suite pour bénir les êtres de l'amour de Dieu, mais de pas n'importe quel amour. Parce que Vishnu, en tant que Goran ne donne pas Vrajaprem, l'amour de Vraj, des résidents de, de Brindavan. Mais lorsque Chaitanya Mahaprabhu vient et ses associés aussi, il glorifie en fait l'amour de Brahe, des résidents de Vrindavan. Et c'est ça qui est tellement spécial. On voit même une fois que Chaitanya il a quitté ce monde, que Nityananda Advaita, Acharya, le Panchatadva sont, ont quitté, il y a quand même des associés tellement spéciaux qui sont venus. Si on regarde Rasikananda Prabhu, Rasikananda, il avait la couleur de Krishna. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. Il avait le teint de Krishna. <laughs> et euh, c'est expliqué que lorsque. Lorsque les gens le voyaient, il se roulaient dans l'amour de Dieu. Il se roulait dans l'amour de Dieu. C'est pas un associé ordinaire. Et donc, ça, c'était après que Chetanama Prabhu soit parti. Son garde Chakavati Thakur, c'est tellement des associés extraordinaires. Même Bhaktivinoda Thakur. À quel point il a écrit justement pour nous aider à comprendre cet amour d'ouvrage, non? À travers tout ce qu'il nous a enseigné, à travers les enseignements de Chetanama Prabhu, non? Donc, c'est pourquoi pour nous, c'est tellement notre grande fortune, on est tellement fortunés d'avoir pris naissance dans ce Kali Yuga. Parce que, comme Chaitanya Mahaprabhu est venu, et comme il est, il est venu pour installer cet âge d'or dans l'ère de Kali, qui va durer 10 000 ans, naturellement, pour que cet âge d'or puisse se manifester, il y a d'autres associés éternels qui vont venir dans l'âge d'or. <laughs> pour établir, en fait, le principe Vaishnav, le Vaishnav Dharma. Comme Bhaktivinoda Kour l'explique. Non. Le Vaishnav Dharma, c'est développer de l'amour pour Krishna. Non. Et par le fait même, développer notre relation personnelle et comprendre qui on est dans notre éternité. Donc, c'est pourquoi ce mouvement de, de Sankirtan, c'est tellement, la, on pourrait dire, c'est vraiment la bonne augure personnifiée. <laughs> c'est la bonne fortune personnifiée. Parce que ça nous permet, de, au fil des siècles, de s'associer avec des purs dévots du Seigneur. D'avoir leur association et d'être de, de, nourri de leur association. Parce que c'est dans leur association qu'on peut comprendre Krishna. Je Shri mais il disait Tenez, je vous donne Krishna. <laughs> il y a juste un associé de Krishna qui peut dire ça, hein, qui a Krishna dans son cœur. Je vous le donne, voici Krishna. <laughs> c'est beau. <bon. rire> Donc, c'est là où on. Euh, on doit prendre conscience de cette immense fortune que nous avons. C'est ça être un, un membre du mouvement de Sankirtan. Euh, de, de réaliser cette bonne fortune que nous avons dans notre vie, de développer une profonde gratitude et de réaliser tout ce que nous avons reçu. Et euh, d'apprécier profondément tous les cadeaux que nous avons reçus de notre gourou Parampara et de notre maître spirituel de se sentir profondément endetté de tous ces cadeaux que nous avons reçus. Et c'est pourquoi être un membre du mouvement de Sankirtan, ça veut dire donner sa, son cœur, donner sa vie même. Parce que chez la Prabhupada, il expliquait, et ça c'est un bel exemple, donc à ses premiers onze disciples, ils sont venus à Prabhupada lorsqu'il a, il a voulu leur donner leur première initiation. Et naturellement, c'était nouveau pour eux hein, toute cette tradition Vaishnava et, et le fait d'être de, de prendre refuge d'un maître spirituel. Et euh, ils ont demandé à Shila Prabhupada parce qu'il avait parlé de, du principe de Guru Dakshina. De Dakshina, ça veut dire lorsqu'on reçoit la première initiation de de donner quelque chose au maître spirituel, Donc, comme il nous a tellement donné. Donc, ils ont mais qu'est-ce qu'on peut te donner chez la Prahopad? Pour le ils n'avaient pas beaucoup d'argent, il faut comprendre, en 1965. <laughs> il y avait Jananda qui était chauffeur de taxi puis qui ramassait de l'argent pour payer le temple à San Francisco. À New York, il y avait Gurudass qui travaillait à ce moment-là. Je, je pense que c'était Brahmananda qui avait payé un dictaphone pour chez euh, la Prahopad. Brahmananda ou Gurudass, je ne me rappelle plus exactement. Mais ils n'avaient pas un sou à ce moment-là. <laughs> ils étaient tous hippies, euh, ils étaient drogués. C'est pourquoi, à un moment donné, quelqu'un avait demandé euh, à Shilapraopad, un journaliste, je pense, il lui avait dit, euh, euh, il avait demandé, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience du LSD? Et Shilapraopad, il avait dit, moi, non, mais mes disciples, oui. <laughs> Et euh, vous avez juste à leur demander c'était quoi leur expérience, non. Donc, c'est ça. Euh, donc, ils ont posé cette question à Shila Prabhupada et euh, il leur a dit, Eh bien, je vous ai donné mon association, je vous ai donné cette mission, je vous ai donné mes livres, non? Je vous ai, je vous ai donné le Mahamantra, je vous ai donné Krishna. Donc, comme je vous ai tout donné, maintenant c'est à vous de, de donner ça aux autres. C'est comme ça que vous pouvez rembourser votre dette. En donnant Krishna aux autres, non? C'est comme ça que vous allez pouvoir rembourser votre dette envers moi. Et ça, c'est tellement beau, non? Et c'est vrai, c'est ça le partage de la miséricorde. On peut voir aussi comment les associés éternels du Seigneur, ils engagent leurs disciples qui ne sont pas qualifiés dans le service de, du mouvement de Saint-Quirtin. Bactévino, de il avait dit qu'en dix jours, il pouvait changer la terre entière. C'est puissant, un pur dévot. Je la pas, il avait dit, donnez-moi dix pur dévots, et en, en dix jours, ou dix-huit jours, je ne m'en rappelle plus. Il avait dit, je vais changer la terre entière aussi. Non. Donc, les purs dévots du Seigneur... En fait, il faut comprendre, je méditais là-dessus aussi ce matin, on se cherche tellement le darshan de Krishna, parce que pour nous, c'est tellement quelque chose de précieux de recevoir le darshan de Krishna. Mais est-ce que recevoir le darshan du pur dévot, de, de, du, du pur dévot du Seigneur, est-ce que ça, c'est euh, moins précieux <laughs> que de recevoir le darshan de Krishna? C'est pas moins précieux. C'est pourquoi Krishna dit, le dévot de mon dévot, ça, c'est mon vrai dévot. non Parce que le, faut comprendre que même... Krishna, il dans, le, dans la, la Udhava et Gita, dans la onzième chant, il dit, il faut comprendre que mon acharya, il est non différent de moi. Il est non différent de ma personne. Non? Donc c'est ça, le, Krishna, le, 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 pardon, pas, le dévot. <laughs> Krishna, le dévot. <laughs> c'est les deux. Il est Karuna Avatar. Il est l'incarnation de la miséricorde de Krishna. Il porte Krishna dans son cœur. Donc je la vais pas lui donner l'exemple du représentant du roi. Il est le représentant du roi. C'est lui qui va chercher les taxes dans les villages, non Les impôts, il recueille les, les impôts. Et comme il est le représentant, il a la même fonction que le roi à ce moment-là, non Même s'il n'est pas le roi, il a cette même fonction. Et le roi lui donne en fait cette, il lui donne cette responsabilité pour qu il lui donne cette mise en pouvoir pour qu'il puisse lui en fait, au nom du roi pouvoir justement récolter les impôts, non. Il donnait cet exemple-là. Donc, c'est un exemple matériel, bien sûr, mais ça fait le point, non. Donc, le maître spirituel, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'est pourquoi, je suis la à pas expliquait l'expliquer, on ne devrait jamais voir le maître spirituel comme une personne ordinaire. Jamais. Parce qu'il est tellement près de Krishna, non. Et c'est là où, justement, c'est une belle méditation pour nous, justement, de... Euh, de comprendre à quel point le darshan du maître spirituel, ce n'est pas un darshan ordinaire non plus. L'association du, du maître spirituel, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et merveilleux pour nous. Et ça, c'est justement dans la continuité de Krishna qui est venu avec ses associés, qui ensuite, comme il n'était pas satisfait, qui est venu dans l'humeur de miséricorde et de compassion infinie et incommensurable de Mata Radharani. Et ça se poursuit avec les achats qui viennent. Euh, siècle après siècle après siècle, pour que justement cet amour de Dieu puisse être manifesté dans l'univers entier. Je me posais cette question. J'étais à Montréal, je distribuais des livres, et ce jour-là c'était difficile. <laughs> j'arrivais pas à distribuer beaucoup de livres. Et je me disais, mais pourtant, dans le Chaitana Charitamrita, Chaitana Mahaprabhu, il a dit qu'il il avait enfin ouvert les portes de l'amour de Dieu, la trésorerie de l'amour de Dieu, non et qu'il avait, il avait c'était comme un tsunami, non? Qu'il avait débordé, fait déborder, en fait, l'amour de Dieu dans l'univers entier. Et je me, je me posais cette question en ce moment-là. Je me disais, mais c'est le désir de Mahaprabhu, non? Que cette terre entière soit inondée de, de Vrajaprem. <laughs> Donc, c'est son désir que cette miséricorde coule à flot. Et je me disais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là? Mais que je ne puisse pas être un assistant de cette, de ce, de cette rivière qui coule à flot. Et je me disais, c'est juste moi, en fait, qui est le barrage. <laughs> c'est n'est pas es un homme à ce n'est pas de sa faute, parce que lui, il est dans ce désir d'inonder la terre entière, non? Et je me disais, comment je peux me disposer d'une manière à être un assistant de, cette, de, de ce flot de miséricorde, non? Et c'est important, ça. On doit profondément se poser cette question-là, non? Comment on peut être disposé à, être des, à devenir des, des instruments, des hommes l'instrument dans les mains du maître spirituel et de, de Chaitanama Prabhu, non? Mais le point que je voulais faire par rapport à ça aussi, c'est que d'activer les chez la Prabhupada, non, les associés éternels du Seigneur, ils peuvent tout faire par eux-mêmes parce qu'ils sont investis de Radha et Krishna, non? Donc, ils peuvent tout faire mais ils engagent les êtres de ce monde pour leur donner la miséricorde. Shila Prabhupada il disait que prenez le crédit. Si vous ne le prenez pas, d'autres personnes vont venir. Donc je vais engager d'autres personnes dans le service. Vous n'êtes pas en contrôle du mouvement de Sankirtan, non? C'est de chez Mais si vous êtes là, vous pouvez prendre le crédit, vous pouvez être investi pour pouvoir justement recevoir une telle miséricorde, non? Et donc c'est pourquoi justement. C'est leur miséricorde de nous engager. C'est pas qu'on est qualifié, on n'est pas du tout qualifié. Mais par leur miséricorde et leur compassion incommensurable, par amour pour nous, pour nous aider à progresser spirituellement et nous rapprocher de Radha et Krishna, eh bien, ils nous engagent dans le, dans le service de dévotion à travers une mission pour nous aider à nous rapprocher du monde spirituel. Et c'est pourquoi c'est aussi tellement précieux tout ce qui se passe pour nous en ce moment. Et donc, euh, à tous les jours, on devrait se souvenir de ça. Non. Parce que c'est ce souvenir qui nous aidera aussi à devenir des petits, hein, des petits agents de cette miséricorde, pour assister les purs dévots dans ce partage de miséricorde. Et ça, ça sera notre plus grande fortune. Ça, ça sera notre perfection. Non. Donc, je vais terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Rodef?